Yop yop à toutes et à tous, on est toujours sur Conan, il fait un temps dégueulasse, on est toujours sur les berges du lac de Télit et on a avancé notre petite maisonnette que je vais vous faire visiter. Donc on est toujours envahi de sangliers, mais ça c'est pas un problème majeur, ça nous donne de la viande et de la peau et de la fourrure. Donc voilà, voilà ce qu'on a réussi à faire ces derniers temps. Alors... voilà, on fait le tour rapido. On a une entrée ici qui donne, hop, merci bien, sur notre atelier de ce qui va être un peu le travail du bois. Mais ici, c'est trop petit. Donc en fait, il va falloir que déjà, on augmente un peu la taille. On a fait petit, mais bon, trop petit, c'est trop petit. Pièce centrale. Donc ça, en fait, on est obligé de le mettre dans la pièce centrale. La tannerie, c'est le bordel. Donc c'est pas notre objectif premier. Donc la pièce centrale, c'est la tour. On va monter. Je vous fais faire la visite rapido. Les pioles. Là, c'est mon lit. J'ai mis un petit tapis. Ça, c'est Bozo. Il dort la tête dans le mur. Ça n'est pas grave. On monte tout en haut. Vue panoramique sur l'île de Télit. Et là-bas, on a des voisins. Des voisins qui sont en diquette totale. Hier, je sais pas si vous avez vu, mais on a écouté une sorte d'explosion. Et en fait, c'est que leur base est en train de, je pense, s'autodétruire. Donc on ira voir de temps en temps s'il y a des trucs à graboter à la calabraise, pas de problème. Donc on a vu là, on a un autre atelier, voilà, pour bosser. Table d'artisan, forge, établi d'armurier, établi de forgeron. On va faire du matos offensif ici. Ok, les portes se ferment toutes seules. Ça fait peur, des fois t'es dans la baraque, au bout d'un moment les portes elles se ferment toutes seules. Et là on a un sas à la rust, c'est-à-dire que si jamais on a un problème et qu'on n'est pas sûr... on passe par ici. Bon, je suis d'accord. Des portes en bois comme ça, c'est pas la sécurité sociale. Mais, pour le moment, on a accès qu'à ça. J'ai solutionné mon petit problème. Vous avez vu, quand je m'approchais d'une caisse et que j'appuyais sur la touche F, et ben, ça prenait tout. Parce qu'en fait, quand vous regardez en bas à droite des petites plantes, là, tout ramassé correspondait avant à la touche F. J'avais un conflit, parce que moi, la touche action, pour moi, ça n'a jamais été la touche F. C'est la touche E, c'est la touche F. Donc j'ai trouvé dans les fichiers du jeu, dans le input.ini, l'emplacement pour changer et binder à la place d'avoir F par défaut, j'ai mis E par défaut. Ce qui fait que maintenant, quand je m'approche d'une caisse, j'ai plus le problème de m'emparer de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, je peux enfin ouvrir sans avoir à revider mon inventaire. Si quelqu'un veut savoir l'emplacement de ce dossier de jeu, je vous le mettrai. Vous me le demandez, je vous le mettrai dans les commentaires. Allez, on va continuer. Je vais essayer peut-être d'agrandir encore un petit peu la baraque. Bozo devrait passer sans trop tarder. On va s'agrandir ici, je pense. Je vais rajouter un peu ici, ouais. Ah, oh, ça va, c'est pas vilain. Ouais, faut faire gaffe, là, il y a toujours l'énorme sanglier là qui nous emmerde. Le seul problème, c'est qu'on est obligé de bâtir en argile. On se croirait dans le désert alors qu'on est sur les bords d'un lac de type écossais, quoi. Donc bon bah tant pis, on va s'adapter. Ce n'est pas grave. Allez, je fais une petite extension et on se retrouve après. Enfin d'abord les aventures. Ok les petits amigos, Bozo est là. Et on a un problème social, à savoir qu'il y a un sanglier qui est monté à l'étage. On sait pas pourquoi. Bon après les sangliers c'est pas tellement un problème à gérer mais bon. Allez, on va le faire en relais. De toute façon, le sanglier, il est tellement con que tant que tu le frappes, il bouge pas, en fait. Vas-y, allez, finis-le. Ah, mais il est mort. Merde. Il faudrait que... donc, Bozo, lui, s'est spécialisé un peu dans tout ce qui va être ferronnerie, fonderie, lalilala. Il faudrait nous faire de l'arme en fer pour tuer ces connards de sangliers. Je vais aller chercher du... ouais, bah écoute, moi je vais... donc depuis la dernière fois, j'ai mis mon lit. Voilà, ça c'est un beau lit. Je me suis endormi avec le marteau. Ça, je vais la détruire, ma paillasse. Je repose le marteau là-dedans. Voilà, on a les tapis. Tu veux un tapis? Non. Bon, ça va. Donc on a mis les tentures, on a mis les lumières. En fait, les lumières, elles sont éternelles. Ah oui, mais c'est très bien. Il suffit juste de cliquer dessus pour qu'elle s'allume, c'est tout. Par contre, très franchement, elles éclairent que dalle. Oui, bon, ouais. J'ai déplacé la porte. J'ai mis une caisse là, si besoin. J'en mettrai d'autres. Il faut que je fasse des grosses caisses, mais pour ça, il faudra que tu me fasses des renforts en fer.
Oui, bah attends. Non, mais en temps voulu, je te dis. Parce que moi, j'ai masse de trucs qui se fabriquent avec des renforts en fer, en fait. Est-ce que tu as vu que derrière, il y avait une maison? Où ça? Bah, quand tu vois chez nos amis, là. Ouais. Bah, sur la montagne, ouais. Derrière, il y a une maison. Derrière chez eux? Ouais. Ah non, j'ai pas vu. Un peu comme la nôtre. D'accord, des péons, ah, quoi. Après, ça peut être des pénis, je sais pas, je crois pas. Loin derrière? Non. Je vais aller voir, je suis parti là. Ouais, leur business, je sais pas à quelle vitesse ça décaille, mais à mon avis, ça décaille. 7 jours après des dernières connexions, normalement. Ah ouais, putain, d'accord. Espérons qu'ils reviennent pas entre temps. Oh ben, le ticket sera lancé, c'est trop tard. Hein. Alors, je suis derrière chez eux. Alors, Donc il y a une pente, une grande pente. Et bien, à droite de la pente, là, quand tu remontes à la pente. Ouais. Un peu plus loin, sur la droite. En hauteur. Allons voir ça. Alors. Oh putain, un mouflon. Ah oui. Reste tranquille, mouflon. T'es où? Ah oui, t'es là. Ah oui, je la vois. Oh si, si, c'est un village. Ah mais c'est cool. Ah mais ça c'est bon ça. Ils sont, de toute évidence, ils sont 3. Ah ben voilà. 3, on en tue 2. On en garde un. Bah... Ah ouais, d'accord, ils habitent là. Ouais. On va peut-être faire des armements purifiés. Ouais, il va nous falloir de l'armement un peu sévère. Bon bah c'est très bien, c'est nos premiers voisins non officiels. Voilà. Donc ouais, en dessous de ton perso quand tu vas dans ton inventaire, t'as la jauge de purge en bas, ouais. J'ai vu, donc ça veut dire qu'il y a... Bah je vais faire des palissades. Tu veux des renforts en fer? Ouais, il me faudrait des renforts en fer, ouais. Ça faut combien? Oh là là, 700 je dirais. Ah d'accord, je peux t'en faire 5 direct. C'est un bon début. C'est pas mal. Je vais faire des palissades autour de la maison parce que je pense que quand ça va arriver... Bon, le problème, nous, c'est qu'on est à moitié dans l'eau. Oui, mais ils vont pas attaquer dans l'eau. Non, je pense qu'ils vont pas attaquer. De toute façon, même dans l'eau, ils seront emmerdés parce que pour monter... Tu peux pas monter. Bah, nous, on peut monter, mais les PNJ, ils montent pas. Bon, par contre, il faut pas qu'ils nous mettent les gros monstres sur le dos, quoi. Bah, déjà, ils vont commencer par envoyer de peu d'eau. Alors, vas-y, je fabrique du bois... Façonné. Bon, je t'ai ramené du bois. Hein. J'en ai 43. Du bois isolé, ça sert à faire des portes ou des conneries comme ça, c'est très bien. Les gros coffres, on va faire des gros coffres. Ouais. Alors les gros coffres, pour faire des gros coffres, je peux faire des coussins et tout, des trucs délire, des tapis. J'ai fait des tapis, j'ai dit faisons des tapis. Non mais, oui non mais... Ça c'est quand t'as fini ça. Non mais nous on a un ordre de priorité qui est particulier. Attends mais je sais même pas où je l'ai fait. C'est... Ah mais sans déconner, ils ont un peu exagéré sur le nombre d'ateliers existants quoi. Déjà non, moi je comprends pas la différence entre l'atelier de tanneur, l'atelier, la tannerie. T'in. Alors t'as la table de tanneur et la tannerie. T'in. Ouais mais quand t'auras mis un esclave dedans, tu seras content. Ça fera des trucs gratuits. Ah bah par contre on a de la fourrure en veux-tu en voilà. Parce que le sanglier ça donne si tu le dépèces avec le couteau à dépecer. C'est pareil, il nous faudra peut-être des couteaux à dépecer en métal pour récupérer plus quoi. Je vais essayer l'agriculture peut-être en haut à l'étage. Ah sur le toit ouais. Ouais. Alors pour faire un coffre il me faut 5 renforts en fer et 15 bois façonnés. D'accord. Pardon monsieur. Ils font chier avec leurs portes qui se ferment toutes seules, là ça me fait peur à chaque fois. Tout à l'heure j'étais dans la baraque tout seul, j'écoutais des portes, je dis merde. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? On se fait attaquer, il y a un mec derrière moi. Bon la bouffe par contre, ça pourrit tant que ça peut. Oui. Les trophées, il y a une caisse à trophées, là je les fous dedans sous l'escalier. Composteur. Ouais le composteur... Ouais, je le mette pas trop loin non plus de la bouffe, quoi. Je sais pas si c'est gros, on va voir. Je vais essayer de le mettre là dans la pièce. D'accord. Ah, c'est conséquent quand même. Bon, ouais, je vais le foutre dans un coin en attendant, là, qu'il nous emmerde pas. Le composteur, mais derrière, sur la terrasse. Ouais, mais tu sais, la bouffe pourrie, elle est là. Ah oui.
Allez, première pioche. Faut que je le mets là en attendant mieux. Je sais pas ce qu'il faut mettre d'autre dans le composteur, je vais regarder. Voilà. Alors il faut mettre trop de la... C'est quoi ça? Ah mais je sais pas ce que c'est ça. Ah c'est plutôt violent. Non puis alors ils sont gentils, ils le disent pas eux. Alors la fibre je veux bien. Et ça c'est de la poudre de perlimpinpin. J'ignore ce que c'est. T'as tes 5 grands fours qui sont faits. Ok. On va faire un cofio. Ah j'ai gagné un niveau, c'est la fête. 1, 2, 3, 3, oui d'accord. Oh mais ça va, il est pas très grand ce cofio, je vais le mettre là. Je sais pas. Alors 10, 20, 30. 30 cases à la place de 20 cases. Ouais d'accord. On prend. Ouais. Donc ce truc là c'est de la poudre d'os. Très bien. Donc on a dit que pour faire une meule, il fallait. Je vais regarder ce qu'il faut. De la pierre. Ouais, non, de la brique. Il y en a 8 en coup. Ouais. Ouais. Dans quoi du métal. Putain, dans quoi je vais trouver ça cette fois? Dans quoi ça se fabrique? Je l'ai appris normalement. Ah oui. Un coup de pioche, tu prends 9 pierres. 9 mètres. Ah ouais, 50 briques il me faut, c'est bien. Oh, il y a encore un Goreto qui fait le con. J'ai de la peau, j'ai des défenses, j'ai de la barbac. La barbac, on la laisse pourrir à une vitesse de dingue. Je récupère assez de... Tiens, bah il va de faire nuit, on va pouvoir allumer les lampes. Ah bah elles sont allumées déjà. Ah bien. Je vais faire des lingots, assez pour faire une hache, quand on t'attache. Ouais, nickel. Ouais, ça y... par contre, regarde, quand t'allumes le feu de camp, là, tout de suite, ça éclaire. Pourtant, c'est un tout petit feu de camp de malheur. Hein. Alors, attends, on va faire ça. J'en ai... Oh, la ça. Classe. Bon, je vais chercher de la pavasse la nuit. Et du bois. Ah. Car je n'ai pas peur. Allons-y. Dans la nuit noire, on est parti. Ah oui, d'accord. Quand tu mets ton... Oh putain. La priorité du four, c'est le lingot. Ah ouais, d'accord, ouais. Ouais, même si tu mets les... Ok. Ouais, pour enlever les ressources et mettre dans la caisse à côté, quoi. Ouais, c'est ça. D'accord. Sinon, ça s'arrête et voilà. Ah, il est vrai qu'on récupère pas mal. Moi c'est ma double dague. Oh mais peu importe. Hein. Ouais si la double dague c'est pas mal. Je l'aime bien. Eh bien écoute la double dague. Donc on a dit une meule, une meulasse. Donc là je suis à 20. Ouais c'est pas mal. Et d'un four 50. Hein. Ouais minimum. Bon bah, je vais attendre un petit peu alors. Pour lancer là. Attends je vérifie. La meulasse. Ouais, 50. Alors ce soir, les petits amigos, potentiellement et bizarrement, il y a 20 personnes sur le serveur. Alors que d'habitude, au début, on s'était mis sur ce serveur justement pour avoir un peu de risque à la Rust. Parce qu'il était moitié plein, il était à 20 sur 40. Et depuis quelques jours là qu'on est dessus, il y a 8-10 personnes maximum. Sauf ce soir, où il y a 20 pélos. Est-ce qu'ils vont venir nous attaquer? Rien n'est moins sûr, on verra. Voilà, on n'est pas équipé. Non. C'est le moment. Qu'est-ce qui se passe? Oh, qu'est-ce qui t'arrive toi? Oh, il a des attaques violentes. Lui. Viens en terrain découvert, je ne te vois pas. Je suis attaqué par un chevreuil géant. Qui est pas plus malin que les sangliers. Hein. Non. Viens là. J'en ai combien de pavasse? 50. Ouais. Ouais mais j'en aurais besoin après de toute façon. Mais vas-y fais du fer après. On laissera. Il est mort.
Bon, il est plus chiant à tuer que les sangliers. Ouais, tu parles. Oh, si on a qu'une corne à chaque fois, j'espère que les cornes ça marche en poudre d'os. Hein. Bah, sinon, va falloir tuer des humains. Hein. Ah, c'est peut-être ça qu'on avait chopé. Bah oui, parce qu'on avait tué quelques humains, mais bon. Parce que là, pour le moment, on n'a pas un os. On a de la corne, des crocs, des merdes. Hop, pardon. Excusez-moi. Il n'y a pas de mal. J'ai mis des lingots. Ça sera bien. Ah, 52, c'est bon, je vais pouvoir faire mon truc. Donc la meule, il me faut 10 bâtons, j'en ai. Vas-y, donne. Vas-y. Je veux une meulasse. Allez. J'essaierai de mettre des machins comme ça dedans, on verra ce que ça raconte. Quoi. Je peux faire quoi? Une pique en fer. Ah, des grandes piques en fer. Ah ouais, pour piquer les bêtes à distance. Quoi, t'es les lances. Les lances, ouais. Moi, je vais miser sur la vitesse avec les doubles dagues. Je peux faire un katana, si tu veux. Ouais, c'est bien aussi, ça. Et pour faire un séchoir, qu'est-ce qu'il faut? Il faut 20 bois et 10 ficelles. Je me fais un séchoir derrière. Oui. C'est décidé. Bah, la meule, c'est pas speed. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Merde. Non, arrête tes conneries. J'ai enlevé les trucs de mon inventaire, ça a arrêté le craft. Oh putain. Partout quand tu lances un craft, le craft se continue. Putain. Ça va, y a personne dehors qui nous guette. Ah merde, il me faut de la pierre pour réparer. Comme bizarre. Et t'as... Oh, t'es trop tôt. Alors une meule. T'as regardé le marteau? Le marteau. Mais la... Ah, pour réparer? Non, j'ai pas regardé. Non. Si la base est indiquée, mais pour moi c'est tant qu'on n'est pas connecté. Allez, la meule est posée. On va regarder, on verra bien. Allons-y. Eh ouais, non, apparemment ce qu'il veut c'est des os. Ah oui. Eh merde. Ah, ça marche pas avec les défenses. Ah si 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 si. J'en ai deux sur moi. Si ça marche, mais j'ai pas la barre. Ah bah écoute, je l'accepte. Écoute, on va foutre tout ça dedans, ça fera de la place ici. Les têtes, c'est pareil. Les cornes, les têtes de sanglier, vas-y, on écrabouille tout. Ils auraient pu mettre une petite animation, ça aurait été un peu plus joli quand même. Allez, 12 poudres d'os, vas-y, je les fous là-dedans. Hop, produis-toi. Oh putain, ça en bouffe, hein. D'accord. Je sais pas combien de... Ah mais faut appuyer à chaque fois? Non. Oh là 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 là. C'est quoi là-bas qui court? C'est toi? T'es devant un bout de bois? Oui. Ah bon, ça va. J'ai cassé ma hache. Ah merde. Ça se réparait quoi? Des lingots encore ça, non? Non mais c'est la champire. Ça va réparer. Ah ouais, il faut des barres de fer pour réparer les outils. Oh putain, y'a un mec qui est poursuivi à devant chez nous. Où il est ce coyote? Il s'appelle devant chez nous. Y'a un mec qui courait dans l'eau. Poursuivi par un sanglier. Y'a un mec qui est dans l'eau, c'est toi? C'est moi, ouais. Et l'autre il allait de droite à gauche. Non, il est de l'autre côté de la maison, je le vois arriver. Ah bon? On l'attaque, on le tue. Il est là. Qu'est-ce que tu fais là toi? Oh coyote. On le tue? Monsieur Miaouti, Miaou. Sauve-toi, coyote. File de là. Ne reste pas ici. Go away.
If you don't want to die, ok. Ouais, je crois qu'il a compris. Par sécurité, on aurait peut-être dû le tuer. Il va quand même pas nous couper nos arbres, non? Oh! Ah! Bon, un humain. Ouais. Ouais, il s'en va, il file. Oui. Il va faire des lances pour nous. Ouais, il file moyen, ouais. Parce que t'es picot. On le fait rapidement. Qu'est-ce qu'il fait? Mais vas-y, on va aller le tuer, non? Je surveille. Ah, ça va, il s'en va. Mais il s'en va pas bien vite, hein. Non, non, mais il craft. Ouais, ouais, bah qu'il aille crafter, mais dans un autre pays loin, dans le sud. J'aime pas bien avoir des voisins, nous, on n'est pas trop sociables. Donc il me faut un composteur. C'est fait. Maintenant, il va me falloir des bacs de culture. Donc il va falloir relancer encore de la brique. Ferme-la, sanglier de ta mémé. Hop. Donc pour faire de la palissade, hein. Donc là on en est où? Là on fait de la briquette, c'est bon ça. Oh, qu'est-ce qui se passe dehors? C'est moi, j'ai mis des coups de poing, je croyais pas. Putain, je croyais qu'il y avait une bagarre lancée avec des inconnus. C'est la base qui est en train de déquer. Ah, faut que je prenne le marteau, tiens, pour regarder. Non mais là... Je sais pas d'où il sort ce pélo. Hein. Oh ben, il arrive du sud, hein, de toute évidence, il était en promenade. Ouais, mais en slip comme ça. Ouais, 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 il est peut-être mort. Ouais. 148 fois. Ouais, peut-être. Alors, le marteau. Donc j'ai dit, il faut faire des renforts, c'est ça? Le marteau, il y a les extérieurs, ouais, le reste, ça a pas l'air d'être... Ah si, ouais, peut-être. Mais je pense que... Oh, pourquoi ça a été... Ah ouais, mais alors... Qui c'est qui a été ça? Qui c'est qui a été... Ouais, j'ai appuyé sur un truc, mais je sais pas ce que c'était. Si, le haut aussi, ça s'abîme. Hein. Ah ouais. 6998 sur 7000. Ouais, non mais oh, c'est bon. Eh si... Faut qu'il trouve un système comme Rust où t'as une armoire où tu mets des produits dedans. On va pas quand même aller taper sur tous les éléments de... Alors tu m'as dit qu'il te parlait des renforts. Ouais. En fer, hein. Ouais. Je regarde dans le... Ah ouais, non, mais là, non. Non, mais en plus, le truc qui est complètement naze... C'est que quand tu vises, ça traverse tous les murs. C'est-à-dire, ça te met les trucs du troisième étage comme les trucs du bas, quoi. Ça. Logique. Oh là là, mon dieu. Ouais, non, mal foutu ce système-là. Très mal foutu. Ça restera comme ça en attendant la suite. Oh là là, il y a des grosses larves. Dans mon compost. Le compagnon bouché, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on peut en faire, tiens? C'est moche. Bon, j'ai deux trucs de compost pour le moment. Et là, on a dit qu'il nous fallait des palissades. Donc, pour faire une palissade, eh ben non, mais je te raconte des conneries. Les renforts, il me les fallait pour faire... Quoi donc? Des coffres, je crois. Oui, c'est ça. Exact. Heureusement qu'on peut passer à travers le barbec. Ouais. Oh putain, mais non, mais du bois façonné. J'espère que c'est large, hein, la palissade, parce que... Si c'est du 1 par 1, c'est compliqué. Ah ouais, putain. 50 bois façonnés, je crois qu'il faut 10 bois pour faire un bois façonné, ça veut dire 500 pour faire une palissade. Ouh. C'est tendu. Ouais. Bon façonné, je t'en ai fait 4. Ouais, je les passe par 50, tout va bien. Ça va aller. Ouais, on va y arriver. Alors, voyons ça. J'ai peur de
Ah, c'est possible. Ouais. C'est pas violent, violent. Quoi, je peux pas les mettre dans l'eau? Si, je peux les mettre dans l'eau. Pourquoi il veut pas que je les mette là? Oh là là, tu m'as fait peur, arrête. On fera une porte ici. Ouais, là, on peut plus, là. Mais comment on va faire? Monter des murs. Oh là là, ouais. Bah, très franchement, ça va plus vite de monter une palissade en pierre que de monter de la palissade en pavasse, en bois. C'est ça. Non, non, mais c'est bon, je vais me démerder là, je vais y arriver, j'espère. Alors. Ouh là là. Donc là, ça veut se poser. C'est pas super joli. Je sais pas si c'est très solide. J'espère au moins que c'est solide. Une grande palissade, ouais, au mieux. Ouais, au mieux des murs. Hein. Ouais, une grande palissade, elle est moyennement grande. Quoi. Oui, c'est haut. Et t'as fait comment là, les. En gros là. Les. Les quoi? Les picots là? Ouais, les, pico... les murs en gros. Les picots, ça, ouais. S'appelle, ça s'appelle. Ça s'appelle. Ça s'appelle. Ça s'appelle. Clôture en grès. D'accord. C'est tout. Alors, tu veux faire des quoi, des murs ou des... Je sais pas. J'hésite. Le problème des murs, c'est qu'on a pas mal de dénivelé, là. C'est pas grave, tu mets... Je peux voir. On va voir. Alors fondage, je vais en faire 3 déjà. Dans le coffre à l'entrée, t'as. Ah ouais. Hop, merci bien. Ça fait de la brique. C'est oh, bien. Je suis lourd. Alors, truc d'esclave, on a dit. Aptitude. Arme, armure, non. La maçonnerie, c'est très bien. La décoration, c'est pas les esclaves. Les pièges à poiscaille. Ah, c'est ça, quoi, hier. Alors, petit trou de la souffrance, je débloque l'esclavagisme. Alors, les trucs à poiscaille, je sais faire. Il faut 10 bois façonnés et 10 ficelles. Pour faire quoi? Des pièges à poiscaille? Ouais, bah les bois façonnés, il y a qu'à les mettre. Tu sais les faire ou pas toi? Oui. Eh bah très bien. Je suis emmerdé là. Il y a une bête qui m'attaque. Alors comment on fait un truc à esclave? Je vais chercher des ficelles.
Alors, je sais faire maintenant les liens en fibre pour les attacher. Alors, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut 50 briques, 200 pierres, 200 bois et 50 ficelles pour faire une petite roue de la souffrance qui renforce les muscles. Tout en annihilant la volonté, c'est très bien. Très bien. Très bien, c'est ce qu'il nous faut. Tu veux combien de pierres? Il va déjà me falloir des briques. Non mais depuis combien de briques? 50 briques je crois encore. De toute façon ça marche partout par 50 maintenant là dans ce truc. Eh bah écoute, 50 briques en fait. Ouais bah très bien, bah je vais faire de la ficelle. Moi aussi j'ai besoin de la ficelle pour le post-sky. Voilà. Ah oui, oui, oui. Mais la nuit c'est... Ouais non c'est le bordel. C'est quoi cette plante là? C'est du levain je crois. Ah oui. Pas trop à quoi ça sert. Apparemment le jeu est hyper complet sur plein de trucs parce qu'en fait tu finis jamais, mais bon le problème c'est que tu passes ton temps en fait à... En fait c'est No Man's Sky. Tu farmes pour fabriquer un truc qui te permet de fabriquer un autre truc, qui t'oblige à refarmer pour fabriquer un autre truc. Ouais, c'est un peu du... Ouais, c'est... C'est-à-dire c'est amusant pour le solo, mais ouais. Si, quand t'as que ça à foutre. Ouais, le problème c'est imagine si t'es sur un serveur où il y a vraiment du monde que les mecs t'attaquent et qui te pillent, toi t'as farmé comme un goré pendant des semaines et des mois, tu fais rage quit, tu t'en vas. Ouais, mais je crois que c'est ce qui doit se passer. Ouais, à mon avis, oui. Ah ouais, non, parce que là, tu tournes la carte au bout d'un moment, tu passes ton temps à chercher des trucs. Alors c'est sûr que, j'ai regardé un peu ce que tu peux faire, quand tu commences de rentrer dans les potions, la magie, la bouffe, les armures, les lilala, putain, mais c'est bon, à un moment donné... T'as des possibilités gigantiques. Quoi? C'est quoi ce bruit? Ah mais c'est encore l'autre con de chevreuil là, il m'énerve. Il... Oh, 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 calme-toi là. Allez, un pire poisson. Un cours. Voilà, il fait l'intelligent. Et maintenant, il est décédé. Putain, j'en avais une section. J'ai mis une poignée d'insectes. Apparemment, ça a marché. Voilà. Ah ouais, on a un poiscaille. Bah oui. Non, on a recette attraper un poisson. Ça n'a rien à voir. Ouais, je vais peut-être pas mettre 41 grosses larves. Ça fait beaucoup. Ah, t'as mis les grosses larves? Non, j'ai mis une petite poignée d'insectes, c'est tout. Il m'en a pris qu'un. D'accord. Et pour le moment, la barre attraper un poisson augmente. Bon, bah... Si, si, non, mais ça a l'air de ressembler aux petits insectes, là. C'est les mêmes dessins qu'il y a. C'est quoi? Pas ce que, pas ce que je vais faire. J'en ai 3 sur la gueule. Ouais, bah, de toute façon... L'engrais, Ça donne? Il y en a 7 compost. C'est bien. Putain, tu verras l'avantage, c'est qu'à chaque fois que tu ramasses des ficelles, tu ramasses des larves, donc tu ramasses des poiscailles. On a encore 2 poissons. Et c'est reparti. C'est inéluctable. Hein. Autant tu mets de larves, autant tu ramasses de poissons. Bon, bah. Ouais, mais c'est un bon moyen de bouffer gratos, quoi. Ah, bah là, ouais, ouais. Ouais, bon, après, nous, on a du sanglier, mais ouais, ouais, c'est un bon business. Oui, bon. C'est où le truc à nourrir les esclaves là? Donc la jardinière grossière, 25 briques. Okay. Petite ficelle, bon, je cherchais ta ficelle. Putain, mais j'arrive plus à savoir où. Alors, ça se fait là-dedans? Oui, c'est là-dedans. Ah, il va me falloir encore 50 autres lingots après pour la marmite d'esclaves. D'accord, bah ça attendra. Alors, apparemment, ça mouline pas les têtes. Hein. Ouais, trop bon. Ouais, c'est dommage. Alors, table de l'artisanat. Oh oui. Et 43 lingots, on y est presque. Le temps que j'aille poser mon poisson, on pourra poser un truc à esclavagiste. Bon. Oh putain, mais c'est énorme. J'arrive. Ah ouais, c'est magnifique. Oh là là! Oh putain! Ah, je veux dormir là-dedans, moi. Oh merde. Formidable. Il n'y a pas une liste de ce que tu peux mettre dedans? Je sais pas.
Alors, on va mettre du bois déjà. Ah, mais il faut de l'écorce. Ah oui, il faut de l'écorce, merde. Exact. Bah, si t'as une pioche en fer, ouais. Oui, je reviens. Mais si elle met de la barbac. Bah, tu mets tout dedans. On va mettre du poisson. Putain. Là, tu vois le truc accroché là qui fait 8 mètres de long et tout. Ah ouais. Qui fait 10 cm, c'est quand même énorme. Ah ouais, ouais, ouais. Ils disent de mettre ouais de la. Ah mais ouais non, ils disent de mettre de la viande. Ouais mais normalement dans le séchoir tu mets ce que tu veux. Attends je regarde. Peut-être pas, il m'en faut peut-être pas plus. Non mais il m'en fallait pas du tout d'ailleurs. Par contre ah non mais par contre il me faut 50 ficelles, putain j'en ai 28. Oh là 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 là. Je peux plus. Allez go la ficelle. Ah, ils ont exagéré sur les volumes. Ouais, non, ça c'est les purs jeux à rage kit. Ça. Tu passes tellement de temps à fabriquer des trucs que si jamais ça, c'est comme Life is Feudal quoi. C'est ça. Tu fabriques. Imagine dans Life is Feudal, tu fais de l'agriculture, t'as des mecs, ils arrivent à cheval, ils piétinent tout, ils tuent, ils rasent tout. T'es dégoûté, toi. Alors, dans le séchoir. Je mets de l'écorce. Ah ouais. Et voir ce qui se passe. Et ça fait, et effectivement, ça fait des poissons séchés et du bois sec. Oh putain, et de la résine. J'en ai de la résine. Ah mais il va m'en falloir. Hein. Ah ça te fait aussi de la résine. Ah, oui. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc la résine, bon écoute, on va la laisser dedans en attendant mieux. Ouais. Les larves, je vais aller les foutre avec les poiscailles. Ouais, mais en fait, tu galopes partout dans ce putain de truc, c'est l'usine. Oh. Ouais, on a encore des gros poissons. On peut les sécher, ça se trouve. Vas-y, oui, on les sèche. Ça coûte. Ça coûte de l'écorce, quoi. C'est ça. Ça coûte de l'écorce. Ouais, mais l'écorce, si tu tapes à la pioche en fer, normalement, ça doit aller pas mal. Ouais, c'est pas vrai, ça. Combien ça se garde, la viande séchée? Ah merde, j'ai bouffé, moi. Ah, non. 1h59. Ah. À la place de 1 heure. À la place de 4 minutes. Exact. Ah oui. Ah non, ça c'est bandage. Bandage rêche. Non, le but du jeu c'est de trouver dans quel truc tu dois faire ça. Ouais, c'est infernal. Il y a trop d'établis. Surtout que t'as vraiment des trucs qui sont vraiment voisins, quoi. L'établi de forgeron, l'établi d'armurier, le tanneur et le bac de tannage. Ils sont un petit peu, je dirais qu'ils sont un petit peu enflammés sur le bordel. Le problème de nos poissons, nous, c'est que s'il y a un fourbe qui passe, il va nous les dépouiller. C'est ça. Donc, faut enlever les larves le soir avant de partir. Alors, combien ça m'en fait? 28 et 30, 58, plus 56, plus 200, plus 200. Fabriquons un truc d'esclavagiste. Allez. Je vais aller. Merde. Poser. Un chaudron à creuser. Pourquoi je peux pas le poser là? C'est quoi ce bordel? Je veux aller poser. Ceci, donc je dois poser ceci avant. D'accord. Accepte, le jour se lève. Ah oui, il faut faire un chaudron à creuser. Ah ouais? Pour avoir un établi d'alchimiste. Oui. D'accord. Alors est-ce que ça tient? Dites-moi que ça tient là-dessus. Oh putain, pile. Voilà, alors maintenant. Mais il faut une maison de 8000 mètres carrés. Je comprends que le mec il ait pris le château là-bas. Ouais, tu m'étonnes. Alors, le truc d'alchimiste, il est là. Voilà, les esclaves. Au boulot. L'alchimiste, ah ouais, putain. Il faut 10 barres de fer. Bon, je passe un escalier, beau. Moi, maintenant, avec ces conneries, là. Ah ouais, ouais. Putain, tous les escaliers, il faut de la ferraille, sauf mes escaliers en grès, quoi. Bon, on va faire des escaliers en grès, on s'en fout. Ils incitent pas à faire des jolis trucs, hein. Putain. Tu m'étonnes que tout le monde a des baraques en grès quasiment.
essayer de rentrer la table alchimiste dans, entre le tannage et le debout là. Pas gagné. C'est pas fait. Allez, moi je vais faire une barrière ou deux. Voilà, bon bah écoutez les petits amigos, nous voilà potentiellement éleveurs d'esclaves, métier d'avenir. On va se retrouver prochainement pour aller justement attraper un esclave. Pendant ce temps-là, on va regarder un peu si on fait des palissades ou des murs autour de la maison. Et puis la purge, ça avance doucement. On devrait être prêt si tout va bien. Donc portez-vous bien, faites pas les dingues, méfiez-vous des esclavagistes et à la prochaine pour les aventures.